Le docteur Ortmeier dirigeait un labo clandestin de clonage en Roumanie. Nous avons fait une descente dès que nous avons appris son existence, mais on nous a devancés. Ils les ont tous saccagés, mis la main sur les dossiers et tué tout le monde, y compris Ortmeier. Et ce n'était pas le pire. Que voulez-vous dire? On a trouvé quelques documents prouvant que le docteur Ortmeier était le créateur de 47. Personne d'autre n'a réussi à créer un clone humain de classe 1. Et le docteur Ortmeier en a rédigé le manuel. Et quelqu'un l'a volé? Pas n'importe qui. Je fous cette conne d'infirmière. Hé hey. Désolé. Je n'aime pas me sentir dépendant. Surtout pour allumer un foutu cigare. C'est juste... Excusez-moi. Pourriez-vous? Bien sûr. Alors, qui a volé les documents? On a trouvé une cassette de surveillance. Elle montre clairement Monsieur 47 tuant les gardes et brisant la nuque du docteur Ortmeier. Alors 47 voulait créer ses propres clones? Il voulait probablement vendre ses recherches aux plus offrants. Ça a mis le feu aux poudres un peu partout. On a mobilisé tous nos moyens. Tout est là. Bonjour 47. Quelqu'un veut assassiner le secrétaire de la sécurité intérieure aujourd'hui à la parade de Mardi Gras. Nous ne savons pas exactement qui est derrière ce coup, mais notre client veut que vous l'en empêchiez en liquidant les tueurs. Ils sont trois. Leur chef s'appelle Marc Pouraya Jr. Ses complices sont Raymond Kulinski et Angelina Mason. Kulinski, un ex-biathlète de classe mondiale, est sans doute chargé de l'exécution, et Mason de la reconnaissance et du soutien. Ils sont amoureux et mentalement instables. Alors attendez-vous à une vive réaction si l'un d'eux s'aperçoit que vous avez tué l'autre. Nous n'avons pas trouvé leur planque. Mais nous avons identifié un paiement qui va leur parvenir. L'argent devrait vous mener tout droit à eux. Il y aura évidemment de nombreux civils présents. Et une mission aussi ambitieuse bénéficie forcément de renforts sur le site. Alors soyez encore plus discrets que d'habitude. There's the handoff. Follow that briefcase, 47. It's the only lead we've got. Bon sang, Billy Jack, c'est toi? Qu'est-ce que tu fous là? Ah ouais! J'ai trouvé... de boulot. Comment ça se passe pour toi? Oh, la paye est d'enfer, mais les horaires moins. Tu m'étonnes. Je me rappelle même pas la dernière fois où j'ai vu le soleil. Bah ouais, mon vieux, mais j'imagine qu'il faut faire des choix dans la vie. Je crois que t'as raison. C'est l'une des plus importantes élections de notre vie. J'ai grandi à la Nouvelle-Orléans. Je vous représente au Congrès depuis 16 ans et au Sénat depuis 12. J'ai eu l'honneur de servir le président en tant que secrétaire à la sécurité intérieure ces 4 dernières années. Et pourtant, le vote le plus important de ma vie, c'est celui que je ferai pour réélire le président le 5 novembre.
Désolé, monsieur. Pas de costume, pas d'invite, pas d'entrée. Ok, ok. On s'en occupe. Non, pas de problème. Hé hey chérie, je suis en position au-dessus de la fête rock au Rocker's Choice Bar. Plus qu'un gâteau quand elle rentrera au nid. Je suis au Rocker's Choice Bar, chérie. Je suis le petit oiseau qui veut voir le gros oiseau. Je
rejoint un tiers d'aile ce soir, ma tourterelle? Je suis revenue dans la ruelle de la boutique d'instruments, chérie. J'imagine qu'un oiseau dans la main vaut bien deux qui s'envolent. Je suis en route vers le Blue Oyster Bar, chérie. Impatience de te retrouver au nid ce soir, mon inséparable. Sous tes plumes. Je suis au Blue Oyster Bar, chérie. Je suis le petit oiseau qui veut voir le gros oiseau. Tu me rejoins à tiers d'aile ce soir, ma tourterelle? J'imagine qu'un oiseau dans la main vaut bien deux qui s'envolent. Je frétille d'impatience de te retrouver au nid ce soir, mon inséparable.
m'obligez pas à vous forcer à partir.
secrétaire d'État. Oui, et nous avons aussi trouvé et tué l'un des complices de M. 47. Il n'était pas seul? Non. Il communiquait par radio. Mais l'autopsie du second assassin nous a surpris. C'était un clone de classe 2. De classe 2? Des clones humains opérationnels accélérés jusqu'à l'âge adulte. Mais ils ont tendance à mourir dans les 18 mois. Dites-moi, le clonage humain, où en est-on exactement? Difficile à dire. Mais je suis sûr qu'ils seront des milliers d'ici quelques années. Pourquoi? À cause de votre crétin de président. Il veut légaliser le clonage. Vous imaginez? L'arme la plus insidieuse jamais mise au point, et il veut la rendre légale. Mais le public... Le public est aveugle. Le clonage est l'arme de destruction massive suprême. Un rêve pour tous les terroristes. Mais la plupart des Américains sont pour le clonage. Espérons que cet interview permettra de changer ça. Que diront-ils quand ils sauront que 47 a tué le fils de Chad Bingham? Quoi? Nous avions pourtant notre meilleur agent sur place. Nous étions prêts. Contente de vous entendre, 47. Nous étions inquiets de n'avoir aucune nouvelle. J'avais simplement un petit problème à régler. Nous avons une mission extrêmement délicate, si cela vous intéresse. Je suis toujours intéressé. Envoyez-moi le briefing. Votre prochaine mission a lieu dans les Rocheuses. Le sénateur Bingham est victime d'un chantage. Le roi du porno, Land de Havilland, détient une vidéo compromettante du fils du sénateur, Chad. Sur cette vidéo, Chad se montre beaucoup trop entreprenant avec une danseuse. C'était à l'occasion d'un show sexuel dans l'une des boîtes de nuit pour adultes de Havilland. La fille n'a pas survécu à leur rencontre. Le sénateur Bingham est engagé dans une campagne de réélection très serrée. La vidéo pourrait lui coûter son siège, comme une autre incartade de son fils. Notre client veut que Havilland et Chad soient éliminés. Il veut aussi récupérer la vidéo. Le client s'est assuré que Chad assistera à la fête annuelle que le roi du porno organise dans sa propriété à la montagne. Nous avons un portrait récent de Chad, mais Havilland n'aime pas les téléobjectifs et notre photo la plus récente remonte à 10 ans. Ce ne sera pas facile, 47. La propriété n'est pas extrêmement bien protégée, mais la sécurité sera importante dans le complexe.
faut pas avoir l'air triste. Au moins, vous n'êtes pas déguisé en plein Noël. Je pourrais leur peut-être. Les hommes sont si faibles. C'est dommage de gâcher un si beau mec. Mais une fille doit faire ce qu'elle a à faire. C'était quoi ce bruit ?
Mais vas-y, mollo. Hein. Ça vous donnera la pêche dont vous avez besoin pour prendre du bon temps dans la grotte. Si vous voyez ce que je veux dire. Hey, stop! Faut passer à la fouille. Vous pouvez pas passer avec un flingue, mon pote. Stop! Faut passer à la fouille. C'est bon, passez.